Oh, elle fait la misère à Francis, le pauvre. Ah, oh là 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 là, Thérèse la boxeuse. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah. Oh non. Allez, Misty. La tristesse. C'est quoi? N'importe quoi. Ça pendouille. Non, non, j'ai pas envie de vous. Ah. Voici une Misty Poulette. Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Super Max Family. Merci du fond du cœur. Hey, comment allez-vous les amis? Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Moi c'est Max et bienvenue dans mes délires. Et quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour faire de nouveaux petits pranks au nouveau chapitre de Scary Teacher 3D. C'est le chapitre spécial Vacances. Vocalise Maria Carré sort de ce corps. Il y a deux nouveaux pranks à faire dans un tout nouveau chapitre spécial vacances. On va bien s'amuser, je pense qu'il y aura Francis, son petit copain. Ça va être cool, je ne connais rien de ses missions, donc peut-être que je vais galérer. Ou peut-être pas, c'est pas. Et en plus, on prépare le terrain puisque bientôt, c'est la R-E-N-T-R-E-E. Faut pas prononcer ce mot, mais on peut s'amuser déjà à faire des pranks à nos profs psychopathes, oui. Avant de commencer à jouer, vous le savez, j'ai quelque chose à vous montrer. Yeah, quelque chose à vous montrer, yeah. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ce petit colis tout mignon qu'une abonnée, et même très fidèle abonnée, hein, même membre de la Supermax Family m'a envoyé. Il s'agit de Léa, Miss Géduzor, hein, sur ma chaîne, qui est membre or et que vous avez eu l'occasion d'entendre dans des parties Max Gaming. Donc, coucou Léa. Et elle m'a envoyé ceci. Elle m'a demandé si ça m'intéressait de recevoir. Vous allez voir ça. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur, puisqu'il s'agit de quelque chose qui fait sentir bon dans la maison. Il s'agit de petits trucs à brûler. Attendez, attendez. Ouh là là. Là, là. Voilà, il y a un petit mot, rien que pour moi, comme ceci. Ouh, je vous montrerai pas le petit mot. Et voilà, à l'intérieur, il y a des petits fondants. Ce sont des petits fondants comme ceci. Et c'est à mettre dans des brûleurs, vous le savez, hein, comme un peu des bougies, sauf qu'il n'y a pas de mèche. Donc on met ça dans le brûleur, on allume en dessous, ça fond et ça sent bon. Et il y a plein de parfums différents. Néroli, encore du néroli ici. Nous avons de la pomme verte ici, qui est verte en plus, trop mignon. Cachemire et soie, ça a l'air de sentir bon. Un autre cachemire et soie. Oh, vanille. Attendez, ça c'est quoi ça? Vanille, vanille. Nous avons du monoeil pour rappeler les vacances que je n'ai pas eues. Hein, encore du monoeil, super. Comme ça, je vais pouvoir vraiment aller sur les îles. Cerise noire. Oh, j'adore la cerise. Ça a l'air bon. Et en plus, il est un peu rosé. Cerise noire également. Voilà, en format... Oh, en format cerise. Trop mignon. C'est fait à la main. C'est fait de façon artisanale. Fleur d'oranger, ça. Ça va sentir méga bon. Fleur d'oranger. Déjà à froid, ça sent vachement bon. J'ai hâte de faire brûler. J'ai eu un petit cadeau supplémentaire, regardez, un petit porte-clés pour Max qu'elle a fait elle-même. Trop mignon, j'aime beaucoup, voilà, en plus c'est signé, et voilà, c'est cool, donc je vais le mettre dans ma collection de porte-clés sur mon entrée. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est vraiment de façon exceptionnelle, parce que je suis chez mes parents, j'ai pu récupérer le colis, mais voilà, d'habitude je n'accepte pas les colis parce que je ne peux pas les recevoir, c'est un peu compliqué, donc je sais que vous êtes nombreux à me demander pour m'envoyer des choses, ce n'est pas possible, c'est très gentil de votre part, merci encore une fois Léa, un gros bisou à toi, back to the video. Et maintenant il est temps de lancer le générique. Énorme merci grand comme ça pour tous vos commentaires. Et d'ailleurs, il est l'heure de lire 3 commentaires d'une vidéo précédente. Et les commentaires viennent de cette vidéo. Il s'agit de la dernière vidéo Ice Cream avec le mode Outwit sur Ice Cream 2. On s'était beaucoup, beaucoup amusé et ça vous avait énormément plu, donc je suis super content. Le premier commentaire vient de Océane Ladybug qui me dit: hey Max, tu es le meilleur. Tout est super, niveau montage et ton intelligence est vraiment level 1000. Tout le monde pense à toi, on t'aime vraiment tous. Tu es le meilleur YouTuber que je puisse connaître. Eh bien, que de compliments. Merci du fond du cœur, ça fait super plaisir. Je le dirai toujours, mais vraiment, c'est les retours que vous me faites qui me permettent aussi d'avancer, qui me donnent le courage, la force. Enfin, le courage, ça demande pas de courage, mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, vous me donnez de l'énergie, je sens que ça vous fait plaisir, et je fais pas ça pour rien, entre guillemets, même si ça reste que du divertissement, donc si j'arrêtais mes vidéos, l'humanité ne changerait pas, mais voilà, en tout cas, merci beaucoup, je suis super content que ça vous plaise. Intelligence level 1000, je sais pas, hein, parce que j'ai un peu 7 ans dans ma tête, donc, mais bon, voilà, j'essaye de faire en sorte de faire quelque chose d'intelligible, en tout cas, de bien parler, de choisir mes mots, jamais gros mots dans mes vidéos, je fais attention aux commentaires, voilà, pour moi c'est très important, il faut bien s'exprimer dans la vie, je trouve que c'est la base.
Donc voilà, c'est un message que j'essaye de transmettre. Le deuxième commentaire vient de Petit Neko X3, je précise, qui est membre de la Super Max Family et que vous avez déjà pu voir dans nos parties sur Max Gaming. Merci à toi d'être là, merci également pour tes dons sur le Super Chat, merci pour tout. Voilà, c'est super cool. Il me dit, j'adore les vidéos avec les mods, c'est trop génial. Eh bien, ça tombe bien puisque nous allons en refaire. Nous allons faire dans la prochaine vidéo le mode Ice Cream 3. Et puis, peut-être que j'ai contacté Outwit. J'espère, je croise les doigts pour qu'il puisse me donner les mods de Outwit sur les Granny, les Villenon. Voilà, on verra. Et le troisième commentaire vient de Hello Wunu qui me dit, salut Max, ces vidéos sont géniales. J'ai une petite question, tu pourrais essayer Granny 2 ou Granny 3 sur Roblox. Sinon, GG pour les 600 000 abonnés. Merci beaucoup à toi et à tous les abonnés parce que c'est grâce à vous en fait si le compteur en est là. Oui, pourquoi pas refaire du Granny 2 ou Granny 3 sur Roblox puisque j'adore le Granny sur Roblox. J'en ai trouvé un qui est vraiment très 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 bien, très ressemblant au vrai jeu Granny. Donc pourquoi pas? Why not? I mean, why do I speak English? En tout cas, merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser un dès maintenant ou à la fin de la vidéo pour être sélectionné pour une prochaine lecture de commentaires. Maintenant, on va faire la transition vers nulle part puisque je reste ici. Suivez-moi, let's go! Ouh, ça y est, je suis toujours au même endroit, l'espace gaming, et le petit cerf est là, il nous accompagne avec ses petites oreilles, la rouge, là, il est trop mignon. Donc, le jeu, c'est Scary Teacher 3D, vous connaissez, il y aura un nouveau chapitre, je vais y jouer sur mon iPhone 12 Pro Max, puisque la mise à jour est apparue sur iOS, pour une fois, rapidement. Alléluia! Bien sûr, tu n'oublies pas de laisser un max de pouces bleus, et c'est parti, let's go! Et nous voici dans l'écran d'accueil de Scary Teacher 3D. On l'adore, la petite Thérèse, hein. Je sais pas pourquoi, aujourd'hui elle s'appellera Thérèse. Me demandez pas, des fois les prénoms ils me viennent comme ça par une apparition divine. Allez, on va faire le mode carrière. J'ai déjà débloqué les chapitres avec les publicités, vous le savez, hein, faut regarder les publicités. Ça se passe pas dans le special chapter Sportsmania, puisque ça on l'a déjà fait, hein, les 4 chapitres avec du sport. Non, ça se passe dans le nouveau chapitre qui s'appelle Fun in the Sun. Du fun au soleil. Regardez, on voit Misty allongée sur sa chaise longue, avec son petit chapeau, sa petite lunette de soleil et tout. Et Francis qui est à côté, en train de montrer ses muscles avec sa chemise hawaïenne et son petit chapeau de paille. Ils sont visiblement sur l'île de Knowledge Candle puisqu'on voit des feuilles de palmier. Donc on verra si c'est le cas. Le premier prank s'appelle Knockout Prank, donc un prank KO, qui met KO. Et le deuxième c'est Flying Art, l'art volant. J'ai vraiment hâte de faire celui-ci, mais on va commencer par le premier qui s'appelle Knockout Prank. C'est parti. Alors Misty a vraiment envie de montrer ses talents de boxeuse. On va lui donner un petit avant-goût de sa propre médecine. C'est mardi, hein. J'attends que la petite flèche arrive et... Oh! Elle est pas venue pour rigoler, hein. Qu'est-ce qu'elle... Oh, pourquoi il y a les voleurs? Il y a les voleurs! C'est la première fois qu'on voit les voleurs dans Scary Teacher 3D, non? Il y a les voleurs de Scary Robert 3D! Oh! Elle fait la misère à Francis, le pauvre! Oh. Non, 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 non! Ça se fait pas... Oh non! Aïe! Pauvre Francis. Thérèse a... Ah oui, oui, elle est contente, hein. Elle est très contente. Pourquoi il y avait des voleurs? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des crossovers, là. Il y a les voleurs de Scary Robert 3D dans Scary Teacher 3D. Ah bah non, ça veut dire qu'ils vont être là? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être là en mode... Bonjour, ils peuvent nous attraper. Alors, trouve quelque chose pour gâcher la nourriture de Francis. D'accord, donc ce que j'aime bien, c'est que déjà, on nous indique un peu comment faire dès le début. Ah, elle se coiffe, très bien. Moi aussi, je vais me coiffer, tout va bien, merci. Parce que, vous le savez, hein, des fois, il y a des pranks où on nous laisse complètement libre, on sait pas quoi faire. Là, apparemment, la première étape de ce prank, c'est de gâcher la nourriture de Francis. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être... Alors, là, j'ai une idée qui me vient en tête, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Peut-être qu'il faut le rendre un peu malade pour que, quand elle le frappe au niveau du ventre, il se mette à vomir. Et il vomit sur elle. Mais je dis ça, j'en sais rien, hein. Ça se trouve, c'est moi qui ai un esprit... Pourquoi il y a de l'eau, là? Ouvre la boîte de dynamique, mais soit... Ah! Ouh là 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 là! Je suis tombé, j'ai pas vu, il y avait de l'eau. Enfin, je l'ai vu, mais je pensais pas que ça allait me... D'accord, très bien. Commençons par trouver une serpillière. D'accord, très bien, on va faire le ménage maintenant. Bravo! Ça commence bien, hein, ça commence très très bien. Donc, j'imagine qu'on peut ouvrir la boîte de dynamite. J'allais dire de dynamique. Ça ne veut rien dire. De dynamite avec un lockpick ou une clé. Ah non, on va regarder à chaque fois les cinématiques de boxe. Ah bah oui, mais non, mais... Oh, j'aimerais skipper, là. Et bim, il va tomber. Bam. Voilà, ça nous permet de revoir les talents de boxeuse de Thérèse. Thérèse la boxeuse. Et c'est parti. Alors, d'abord, trouvons une serpillière. J'ai envie de dire, béaba. Hein, c'est logique. Je vais prendre également le lockpick, parce que je pense pas qu'avec le pied de biche, je puisse ouvrir la boîte. Donc je vais prendre le lockpick qui se trouve juste ici. Voilà, tout à fait. Et il faut trouver la zimbière. Alors la serpillière, je pense qu'elle est dans la cuisine. Ou dans une salle de bain, bien sûr.
En même temps, je vois pas qui mettrait sa serpillière dans la salle de bain, mais chacun fait bien ce qu'il veut. Après tout, qui suis-je pour juger l'emplacement des serpillières? Je ne sais pas. On va pas lancer un débat non plus sur l'emplacement des serpillières pendant que Misty fait du breakdance. Ok, très bien. Ou de la breakdance, parce que c'est de la danse. Eh, là, il y a un débat. Mais parce qu'on dit une danse. Donc breakdance, c'est la danse du break. La danse du break. Break, ça veut dire casser. Je sais pas. Pourquoi il y a un hot dog? Alors, c'est là la nourriture. D'accord, d'accord, d'accord. C'est là la nourriture de Francis. Ceci dit, attention. Faut peut-être pas mettre la dynamite dans le hot dog de Francis. Je veux dire, pourquoi il mangerait de la dynamite? Ça fait pas de sens. Donc, je cherche d'abord à l'étage du bas. Ceci dit, attendez, parce que j'ai vu un truc là-bas sur la table. Là. Ah bah, c'est un lockpick. Oh gain, on s'en fiche, Jean. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer. Alors, elle va descendre par la... Ok, elle va descendre par la cuisine. Très bien, pas de zouzi, tu fais ce que tu veux, Thérèse. Hein. Je n'ai pas d'objection. Et ça tombe plutôt pas mal, puisque moi, je vais pouvoir en profiter pour monter par là. Ok, ok. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc, Thérèse, elle est en bas et moi, je suis en haut. Thérèse est en bas, fait du chocolat. Et moi, je suis en haut, je fais du cacao. Bon, alors, est-ce que ce serait dans une salle de bain? En tout cas, pas celle-ci, visiblement. Bon, je cherche une serpillière ou une serviette. Ah, je sais. Je sais, c'est dans la salle de sport. Ah oui, une serviette pour s'essuyer, non? Pourquoi il y a ça? J'ai vu un truc rouge, non? Ah, c'était la porte. C'est parce que moi, je pensais que... Bon, alors, pour l'instant, pas de trace de serviette ni de serpillière. Hein. Ça commence bien. Là, y'a rien. Tac, 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 la salle de sport où elle faisait sa petite musique. Attendez, on en profite un peu. Magnifique. Je suis un artiste né. Allez, hop, tac, tac, ici. Qu'est-ce qu'on a? On a rien, hein. Eh oh, faudrait peut-être nous donner des objets, là, à un moment donné. Non, qu'est-ce que tu en penses, Thérèse? Non, je sais pas, peut-être... Alors, dans ces... Ah! La serpillière, hein. Bah, prends-la. Voilà. Très bien. Maintenant, je peux aller en bas. Tac, tac, on se dépêche pendant qu'elle lit. Ok. Go, 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 go. Voilà, 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 voilà. Tac. Ok. On est en bas. Tout va bien. Elle ne nous a point vu. Je vais enlever l'eau. Oui, c'est beau, ça. Magnifique. Magnifique. J'ouvre ceci. D'où? Oh non! Il faut une clé? Oh non! Maintenant, oh, avec ça? Ah! C'était avec le pied de biche! Ah d'accord, il me dit de mettre la dynamite dans la nourriture de Francis. Ah clairement, il me dit quoi faire. Ah, on en est là. Ah d'accord, on en est là. Ah, on part sur des bases. Oui, d'accord. Très bien. Allez, Zébardi, on va mettre la dynamite ici. Oh, je remplace la sauce. Quoi? C'est tout ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce que c'est que ce prank? Mais c'est hyper facile. Attendez, on a connu des pranks plus difficiles, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Alors je vous le dis tout de suite, si jamais on fait les pranks... What? On dirait un jeu vidéo? Je vous dirai après ce que je voulais vous dire. Voyons la cinématique. Ah mais oui, il a mangé! Donc du coup, il va exploser, non? Oh non, puissance maximale! Il va exploser. Attends, il a mangé de la dynamite? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Il crache le feu! Pourquoi ça s'est... Ça s'est bloqué? Ah! La cinématique s'est bloquée! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a gagné! Et ça c'est le principal, danse de la victoire! Ah wouh! Allez, on fait home, puisqu'on peut pas faire next, et on va faire le chapitre 2, celui qui m'intéressait le plus. Et je vous le dis tout de suite, si jamais on va trop vite, on refera des chapitres spéciaux. Pourquoi pas ceux de Pâques d'ailleurs, parce que ça fait longtemps qu'on les a pas fait. On verra. En tout cas, c'est parti, on va faire Flying Art. Ça y est, j'ai relancé le jeu, donc on fait le mode carrière. On va aller dans le chapitre spécial et on lance Flying Art. Ça charge, hein, c'est toujours le même prank, hein, en fait, ça n'a pas changé. Voilà, ça charge, ça charge, ça charge. On attend un petit peu, je vais pas tout de suite cliquer sur play parce que des fois peut-être que ça va déclencher. On attend 1, 2, 3, c'est parti. Oh oui! Donc, elle a un joli béret parisien, elle fait de la peinture. Oh. Quand elle peint, elle tire la langue. Mmh. Waouh! J'aimerais bien voir son œuvre. Montrez-nous! Qu'est-ce qu'elle dit? Son chapeau, il est un peu trop petit. Ah, même quand elle fait de la peinture, elle est démoniaque. Ok, trouve un moyen de gâcher la peinture de Misty. Très bien. J'en ai profité pendant que j'ai relancé le jeu pour débloquer les pranks de Pâques. Peut-être qu'on les fera, hein, après, pour s'amuser. Parce que ça fait longtemps et je m'en souviens plus du tout. Donc, ah ah, je trouve déjà une agrafeuse.
Ça c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Donc je sais que voilà, peut-être qu'il faut agrafer quelque chose. Da, bravo Max pour cette réflexion de la plus haute qualité. Mais bon voilà, quoi, je ne sais pas encore, on verra. Je vais passer par le sous-sol, comme ça, ça me permet de faire le tour par le jardin, parce que des fois il y a des choses qui se cachent. Je peux pas parler plus vite que ça, c'est pas possible. Donc, on va passer par là, comme je vous disais, parce que des fois il y a des choses sur la table de jardin, et on pense jamais regarder, mais là il y a rien. Donc, oh, j'ai cru qu'il y avait mon chat qui marchait, alors que j'ai fermé la porte. J'ai des visions. Ah, bonjour. Non, non, j'aimerais prendre le prank, le piège. Donne-moi le... Ah. Je peux pas prendre le piège? Écoutez, je vais pas marcher dans le piège volontairement, je ne suis pas fou, mais ainsi... Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, rien du tout. Ok. Ah, si, on a le tableau. Regardez donc. Ah, on va pouvoir voir l'œuvre de Miss... Uhou. Oh, waouh. Regardez ce qu'elle a peint. Comme elle est jolie. Donc, je pense qu'il faut accrocher quelque chose qui va venir gâcher le tableau. Et elle est où? Elle est en haut ou en bas? Elle est en bas. Je vais y aller en haut. Merci bien pour cette que, hein, pour cette information de la plus haute importance. Mais marche, qu'est-ce qu'il a? Il est bloqué, mon personnage. Mon petit Tommy. Timmy? Oh, c'est quoi ça? What? Peut-être qu'il faut ouvrir l'ourson. Ah oui, récupérer la... Oh non! Oh, le pauvre! Alors. Ok. Qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai des plumes. Oh là là, se prend. Alors, le premier, c'était un avant-goût, hein, une mise en boucle chat. Une mise en boucle. Mais là, celui-ci, il a l'air un peu plus complexe. Hein. Donc, nous avons un ourson qu'on a ouvert. On a récupéré des... Enfin, on n'a pas récupéré des plumes. On a fait sortir les plumes. Alors, est-ce qu'il faudrait mettre de la colle, Anatole? Non, il faut pas mettre de la colle. Et elle, elle... Aïe, 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 aïe. Elle monte. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 elle monte. Oh! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Elle est où? Elle va là-bas? Ok, je fais le tour, je fais le tour. Ferme. Oh non! Ok. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va. On va faire le tour de l'autre côté, hein? Hein, tu ne vois pas de... Oh non! Oh non, elle a vu l'ourson! Ah d'accord, donc il faut trouver absolument l'objet nécessaire pour prendre les plumes. What? Oh, il est complexe. Oh, ce prank-là, il n'est pas comme le premier, hein, il n'est pas venu ici pour rigoler. C'est parti, on y va. Tac, on retrouve la cinématique, bien sûr. Maintenant, on a vu le tableau. Toi-même, tu sais. Je sais pas pourquoi je dis ça. Masterpiece. Non, mais... Elle dit que c'est un chef-d'œuvre. Faut peut-être pas abuser, Misty, hein. Hein? T'es pas non plus Thérèse Davinci. Ah, non, 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 non. Ceci dit, il était très beau son tableau et je suis même pas capable de faire le tiers de ce qu'elle a peint. Hein. Donc elle a quand même des talents. Et non, mais il faut quand même lui reconnaître à cette Thérèse, à cette Misty, qu'elle a des talents. Elle sait faire du breakdance. De là. Elle sait peindre. Elle sait faire de la chimie. Enfin, finalement, elle sait faire beaucoup de choses. Hein. Mmh, ouais. C'est juste qu'elle est méchante, quoi. C'est un peu dommage, ça vient tout gâcher. Elle est dans sa cuisine. D'accord, donc ce que je vais faire, je vais passer par là. Je vais aller dans le sous-sol. Là, il n'y a rien. Des fois, il y a des choses. C'est quoi, ça? Une paire de zizonx. Ok, je vais aller en bas, si j'ai le temps. Maman! Va-t'en. Laisse-moi tranquille. J'ai dit laisse-moi tranquille. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais pouvoir prendre les pièges, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, 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 non. Tu prends le piège. Mais non! Bon, attendez, je vais jeter celui-ci. Oh! Je me le suis pris finalement. Ça servait pas à grand chose, hein. Bon, alors, je n'ai pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour les plumes? Je suis sûr que ça va être caché dans un placard en plus. Ça va être galère encore ce truc. Ah non, regardez ici, il y a quoi? C'est quoi? Ah mince! Oh, je me suis englué le... D'accord, très bien. Et deux fois que je me fais piéger, hein, l'ourson et la glu. Alors, faut-il trouver... Des gants. Faut trouver des gants. Prendre la glu. Coller aux plumes. Je sais pas. On va revoir la cinématique pour la troisième fois. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne, parce que là, je ne peux plus. Je ne peux plus. Non. Allez, allez Misty. Eh, ceci dit, est-ce que j'ai des étoiles pour avoir des indices? Parce que je vois une étoile là dans la cinématique, donc je me dis peut-être que dans un malentendu, j'ai zéro étoile. La tristesse. C'est pas grave. Écoutez, ce n'est pas grave. On va plutôt s'efforcer à trouver une paire de gants.
C'est la seule chose qui me vient en tête parce que je me dis qu'il a mis sa main et ça n'allait pas. Donc, si tu as des gants, ceci dit, ça va coller aux gants. Donc, ça fait pas non plus un sens absolu. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va continuer. On n'a pas fait tout le tour de l'étage. Donc, c'est ce qu'on va faire et on va trouver quelque chose. C'est pas possible autrement. Hein ? Voilà, voilà. Donc, on va ouvrir quand même quelques placards, quelques tiroirs parce que vous le savez, des fois, des choses sont cachées dans ces cachettes. Et oui, parce que si c'est caché hors d'une cachette, eh bien ce n'est pas caché. Écoutez, ici on fait aussi de la philosophie, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais des fois on a des réflexions vraiment très profondes sur le sens de la vie. Ou pas. Oh les là. Oh les vilaines, elle va me voir ou pas? Nope, elle ne m'a pas vu. Ceci dit, attendez, hop, là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Oh, elle va peut-être vous là. C'est bon, tu ne m'as point vu. Laisse-moi tranquille, Thérèse, s'il te plaît. D'accord? On n'a pas élevé les cochons ensemble, hein? Bon, mais aussi bien. Je ne sais pas d'où vient cette expression, hein. Bon, ça serait bien que je trouve quelque chose à utiliser sur la colle. Alors, elle se coiffe dans l'autre pièce. Tant mieux, j'ai envie de dire. Je crois que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour et j'ai pas trouvé. C'est sympathique. Écoutez, on va continuer, on va aller faire le tour en bas. Hein, voilà, on a que ça à faire. Je vais peut-être passer par la fenêtre, tiens. Hop là, comme ça je gagne un peu de temps. Donc là on a rien, on a du piano. Il y avait déjà eu un piano ici? Je n'ai plus le souvenir. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ok, c'est pas grave, on va fouiller l'autre pièce. Des fois il y a des choses ici. Et j'ai bien dit des fois. Bon, on va quand même ouvrir pour être sûr, mais ok, il n'y a rien. Alors, attendez. Et si je faisais la graffeuse sur la colle? Non, ça ne fait aucun sens. Ce que je viens de dire, ça ne fait aucun sens. Là, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, amuse-toi. Fais de la breakdance. Tout va bien. Moi, je fouille. Oh, c'est quoi? De la viande. De la viande? De la viande congelée. Tiens donc, est-ce que je pourrais pas utiliser la viande sur la colle? On va voir. Ou alors je prends ça. Bouteille de glu. Ça se trouve, il fallait pas du tout toucher la colle qui est tombée. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que je pourrais pas gluer? Ah mais oui, j'ai oublié les plumes. Alors attendez, je vais aller en haut, je vais faire les plumes. Peut-être qu'il faut des plumes et de la viande et mettre tout ça sur le tableau pour que ce soit vraiment très très moche. Ceci dit, selon les standards de Lady Gaga, avec sa robe en viande, elle aurait apprécié. Elle est en bas, hein. Très bien. Je vais fouiller pour trouver le petit ourson qui est sur un lit. Ok, mais visiblement, ce n'est pas là. Elle est... très bien. Lit. Moi, je cherche le lit, justement. Le lit où il y a ton ourson, je crois qu'il est là. Très bien. Donc, on ouvre l'ourson. Tac. Ensuite, est-ce qu'il faut pas que je prenne la glu? Non. Ça. Non. Et zut, elle va venir. Oh non. Non. Et je me suis fait avoir encore. J'ai cru que c'était ça, mais il manque... Bon, je vais vite tenter quelque chose. Donc j'ai mis de la glu, là. Est-ce que je peux mettre ça? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau des yeux. Il faut prendre les yeux de l'ourson. Il faut prendre les yeux de l'ourson. Non? Attendez. Oh, mais maintenant, elle va venir, là. Aïe. C'est fini. Je crois avoir compris ce qui se passait, ce qui n'allait pas. Là, je ne l'ai pas encore refait, hein. Donc, on va le refaire du début, parce que je viens d'avoir une petite réflexion dans ma tête. Ça m'arrive des fois, j'ai des moments comme ça où... Il y a les neurones qui se connectent et ça fait quelque chose. En fait, ils nous ont piégés. Je me suis souvenu d'autres missions comme ça où ils nous avaient piégés également de la même sorte. En fait, ils nous ont mis le cutter à côté de l'ourson. Et quand on le fait, on peut rien faire après. Et Misty le voit automatiquement et la mission est terminée. C'est pas le cutter qu'il faut utiliser. À mon avis, c'est une paire de ciseaux. Et ce sont les yeux de l'ourson. C'est bien. En fait, c'est parce que c'est après avoir mis la colle, j'ai vu qu'il fallait mettre des yeux que je me suis dit. Et en fait, peut-être qu'il faut pas utiliser les cutters, mais ceci. Vous voyez, des ciseaux. On va essayer. Écoutez, si c'est ça, ça veut dire que c'est bon et qu'on a réussi le prank. Hein. On va tout de suite aller voir l'ourson et tenter de retirer les yeux avec...
les ciseaux, on va y arriver. Ensuite, j'irai chercher la langue et la glue. On va voir, on va voir. Oui, c'est ça, regardez. J'ai récupéré, d'accord. Ok, très bien. J'ai compris. Donc maintenant, je vais récupérer la glue qui est en bas. Donc je vais passer par là. Comme ça, je vais pouvoir récupérer... Oh. Hop là. Je vais récupérer d'abord la langue de bœuf. Tac. Voilà. Je vais récupérer la colle en espérant qu'elle ne soit pas dans cette pièce-là, mais je crois pas. Ok, très bien. Je retourne dans le jardin Nounet. Tac. Et je vais faire eh bien, le prank sur le tableau. C'est parti. Donc, on retire ceci. Ok. On met la glu. Ok. Je mets les yeux. N'importe quoi. Et maintenant, agrafe ça. Attendez, je vérifie que j'enregistre bien. Oui, j'agrafe la langue. Tac, tac. Fais en sorte que Misty ne voit pas le tableau. Bah, je remets ça. Et bah voilà. Magnifique. Non, mais je crois qu'on n'a pas vu un tableau aussi joli. Oh, vraiment. Et maintenant, je m'en vais pour que Misty ne m'attrape pas. Oui, oui, ça je sais faire. Hein. Je m'en vais, je passe par la petite cabane du fond du jardin. Et je vais aller m'en aller. Je vais m'enfuir de cette propriété privée. Oui, je tiens à le rappeler, on n'est pas les bienvenus ici. C'est une propriété privée. Donc, je m'en vais. Comme je me suis jamais en allé de ma vie. Et hop là, voilà, elle peut rien faire. Et moi, je peux me balader ici. De toute façon, il n'y a pas de voiture. Il n'y en a jamais eu. Et ça, c'est cool. Enfin, si, il y avait eu un prank avec la voiture de Francis. Hein. Oh, ça y est, la cinématique ne s'est... Super, elle ne s'est pas lancée. Je vais la regarder sur Internet avec vous. C'est parti, je regarde sur YouTube la cinématique de fin. Elle retire le tableau. Regardez comme ça, ça pendouille. Oh non, c'est bizarre. Non, non, j'ai pas envie de vous. Ah, et elle tombe en plus. Ah bah bravo. Ah, puis elle se retrouve comme ça. Ah oui, carrément. Ah, trop rigolo. Bien, comme nous avons réussi les deux pranks du jour, j'ai envie d'en faire quand même deux. Et on va faire les deux premiers du mode pack, spécial pack, parce que voilà, c'est rigolo, ça fait longtemps. Je me souviens plus du tout ce qu'il fallait faire. Il y avait un truc d'avion, là. Ça me semble un peu... Peut-être que ça va me revenir, hein, mais j'ai oublié. Ah ouais, la double cinématique comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? J'ai pas suivi. Donc c'est elle qui veut me faire un prank cette fois et on doit gâcher le prank qu'elle va nous faire. Si vous vous souvenez de ce qu'il faut faire, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, même si je le verrai pas tout de suite. Hein, voilà. Mais comme ça, je verrai ceux qui se souviennent. Dites-moi d'ailleurs, dites-moi si vous vous souvenez. Et si vous vous souvenez, dites-moi, voilà, quelle minute vous écrivez, comme ça. Dites-moi si vous avez vu le jeu et tout. Si vous vous souvenez, quoi faire. Alors, elle se prépare un café. Il y a un truc à faire avec le café? Il y a un truc à faire dans la cuisine. En tout cas, ici, il n'y a rien. Oh, oh, elle va sortir. Oh, 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 oh. Vite. Je m'en vais. Oh, 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 c'est bon, elle m'a pas vu. Oh, j'étais à deux doigts de me faire attraper, hein. Ouh, elle est en train de sortir en mode je vais t'attraper, petit coquinou, regardez. Oui, oui, je m'en vais, je vais passer par derrière, hein. C'est pas grave. Ok, il n'y a pas de piège, donc tout va bien, Maurice. Hop, est-ce que je peux sauter par là? Allez, allez, allez. Oui! Ouvre-moi ça. Ouvre-moi ça. Voilà. Donc, je suis dans la cuisine. Elle se prépare un truc ici. Qu'est-ce qu'il faut lui mettre dedans? Du sel? Là, il y a... Je m'en souviens. Ça y est, je m'en souviens. Il faut faire... Je m'en souviens. Il y a un gâteau. Un gâteau. Il faut... ouais, il faut mélanger les crèmes... Il y a de la crème chantilly, il faut intervertir les gâteaux. Il y a un gâteau qui est pas bon et un gâteau qui est bon, il faut mélanger les deux. Ça y est, je m'en souviens. Et oui, ça y est, je m'en souviens, Misty. Hop, ça m'est revenu. En fait, quand j'ai vu le gâteau, hein, moi, je vois un gâteau, ça y est, je... Ça y est. Par contre, il faut trouver une bombe de crème, de fausse crème, je crois, ou je sais plus quoi. Attendez, va trouver ceci. Attendez, c'est quoi ça? Un mouchoir. Un mouchoir. Pourquoi faire un mouchoir déjà? Qu'est-ce que... Alors regardez. Red wire. Blue wire. C'est quel... Je sais pas lequel il faut couper.
Ouh là 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 là, faut trouver déjà quel truc couper. Ah bah c'est écrit là. Ah voilà, j'essuie ça. D'accord. Pour désactiver la bombe, coupe le fil qui est la couleur du ciel le soir. Donc rouge. Ok, rouge. Rouge. Je vais couper le rouge. Tac, je vise le rouge. Ah, c'est pas avec les ciseaux ? C'est pas avec les ciseaux, c'est avec les cutting pliers. Très bien, je les ai pas. J'aime beaucoup. Je vais jeter ça, hein, puisque ça ne me sert pas. Il faut que j'aille trouver les cutting pliers. Vous savez exactement où en trouver. C'est ici. Oh, il s'est fait bobo. C'est pas grave. Je prends les cutting pliers. Et maintenant, je vais désarmer la bombe. Oui. Tac, 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 tac. Hop, je passe par là. Quand je pense que je l'avais galéré pour faire ce prank, maintenant ça va, ça me revient, ça me fait... Voilà, hop, j'enlève le rouge. Tac. Je mélange les fruits des gâteaux. Donc, je prends ça. Il faut que j'aille en bas maintenant. Mince, elle est en haut. Elle est en haut, elle est dans une salle de bain et moi je suis tranquillement là en train de me balader. Molo. Hein? Vas-y, Francis. Ok. Tac. Vas-y, Francis. Hop, j'ouvre ici. Je vais là-dedans. Tac. Bonjour. Voilà. Je vais mettre les fruits. Ah oui, il faut que je mélange aussi. Il faut aussi que je mélange la crème. J'avais oublié ça avec le colorant et tout. Oh là là, c'est compliqué, hein. Ok, bon, on va déjà modifier les frais bébés. Les petits frais bébés. Par ici. Oh, là. Oh non, mais je me... J'oublie toujours où c'est, moi, oui. Oh, les ciseaux sont plantés ici, sur le sol. Quel talent. Ok, donc je place ça là. Allez. Ah bah oui, si je prends pas les fraises dans les mains, ça ne peut point marcher. Et maintenant, je dois changer le frosting. D'accord, donc je dois fabriquer d'abord le frosting. Et ça se passe dans la cuisine. Ok. Bah attendez, je vais dans la cuisine, je vais passer par là. Elle monte. Très, très bien, Misty. Très, très bonne idée, bonne initiative. Elle m'a vu. Mais pourquoi? Elle est vraiment vilaine, hein? Oh! Alors, nous avons ici le pot. Il faut trouver les ingrédients. Donc, nous avons du rouge. Il faut trouver du blanc. Je l'ai pas. C'est un problème. Attendez, je vais aller voir dehors. Peut-être que... C'est pas là, genre... Ah, c'est là. Tac. Ok. Donc, je vais fabriquer du rose. Ici, je mélange du blanc et du rouge. Je mélange pour obtenir du rose. J'ai maintenant le rose et le blanc. Je vais mettre du blanc ici. Elle est juste derrière moi. Et moi, je prends tout mon temps. J'ai failli rater toute la mission. J'ai eu tellement de chance. Oh, j'ai eu tellement de chance, là. J'ai eu surtout chaud aux fesses. Et on va aller mettre le frosting rose. C'est parti. Ok. Voilà. Ah, et maintenant je dois changer les cakes. Ok. Pas évident tout ça, hein. Allez, on y va maintenant que j'ai fait les deux cakes. Je vais passer par l'escalier de service. Je crois que c'est par là. Tout à fait, voilà, merci. Ok. Et je l'ai fait du premier coup, ce prank, alors que... Oh, je me souviens la première fois que je l'ai fait, mais c'était une galère intergalactique. Je vous raconte pas. Tac. Donc je mets celui-ci là. Ok. Et il faut que j'aille en haut. Placer l'autre. Ok. Par ici. Je me trompe toujours d'endroit, c'est pas grave. Par ici. Ah, gna gna. Allez. Oui, c'est juste en face, on a fini. Oui. Ok. Et je ferme. Et je m'en vais. Comme je me suis jamais en allé. Hop, pas sur les cactus quand même, hein, ça fait mal. Merci.
Je saute, je ferme. Et voilà, on a réussi le prank des gâteaux. Je suis pas peu fier, hein, puisque c'était pas compliqué maintenant, mais c'était très compliqué à l'époque. Vous avez vu tous les allers-retours qu'il faut faire, et mélanger la crème, et prendre les fruits, les... Extrêmement compliqué, ce prank. Je m'en souviens, il m'avait donné du fil à retordre, et là, voilà. Et c'est parti pour la cinématique. Il est bon ce gâteau. Oh, miam miam. Quoi? Ah bah oui, c'est vrai. C'est maintenant que ça va se faire, le prank. Je pensais qu'on avait radé. Mais non, on a réussi, regardez. Oh oh. Eh oui, tu vas te faire attirer par l'avion parce que c'est du métal magnétique. Et j'bim. Regardez, elle est sur le bout de l'avion. Enfin, ceci dit, j'aimerais pas être dans l'avion, j'aurais eu très peur. Hein. Allez, on va faire le deuxième. Bon, on va pas faire les quatre, on va en faire juste deux. Comme ça, ça complétera les deux premiers. Je vais faire maintenant, donc, le chapitre qui s'appelle Easter Disaster. Et là, je crois que je m'en souviens. Je crois que je m'en souviens, le fait qu'elle soit toute pleine de plumes comme ça, il me semble qu'il y a un truc à faire avec la climatisation. Ouais, faire fondre le chocolat, la clim et tout. Alors ceci dit, je me souviens pas de tout ce qu'il faut faire. Hein. Oh, ça m'a l'air un peu complexe tout ça. Hein. Il faut que je mette des plumes dans la clim, il faut que je coupe, il faut que j'augmente le chauffage et que je casse... Ouais, il y a un truc avec le chauffage, faut que j'augmente le chauffage. Ah oui, ça fond. Oh, le bébé, oui. Donc lui, il sait pas ce qu'il fait. Ah, bah, je sais pas. Francis, le pauvre, il est toujours dans le désarroi. Il a toujours peur de Misty. Là, il y a la clim. Ok, ça fait partie du... Ok, d'accord. On y va. On va essayer de trouver un peu tout ça. Je sais qu'il y a un seau. Ça, c'est pour récupérer les plumes. Oui. Il y a un seau à récupérer. Oh, mais oui, un coussin à mettre pour récupérer le coussin. Oh. Bon, alors, j'ai récupéré. Ça, c'est pour le chauffage. Ça, c'est pour le chauffage aussi. Ça aussi. Il y a un cutter à récupérer aussi pour couper le... Oh, aïe. Ouh, qu'elle était compliquée cette mission. Donc, on a ici la pièce. D'accord? On est d'accord. Bon. Je dois d'abord piéger la ventilation. D'accord? Pour ceci, je dois récupérer un coussin. Parce que je vais remplacer le coussin... par un autre, là où est Francis. Donc, attendez, je vais laisser tomber ça là. Voilà, pour l'instant. Comme ça, je sais que c'est à côté. Et je dois récupérer un oreiller et le remplacer par celui où Francis dort. Parce que c'est celui-ci qui me permettra de... Donc là, il n'y a rien. De récupérer les plumes. Quoi. Aïe. Je sais pas où il est, Francis, et ça me stresse. Ok, c'est bon. Je l'ai semé, la petite mémé. C'est bon. Laisse-moi tranquille. Ah non, elle est là. Monte. Douda. Ok, c'est bon. Tu m'as pas vu. Tu me laisses en paix. C'était trop tentant. Donc, on doit trouver un oreiller, d'accord? Et puis, une fois qu'on aura trouvé l'oreiller, il faut que je trouve le cutter. Et après, normalement, tout est bon. Donc, tac... Donc là, il n'y a rien. Ok. Je vérifie que ça enregistrait toujours. Tout va bien. Là, il n'y a pas d'oreiller. Déjà, il est où, Francis? J'ai perdu Francis. Là, il n'y a pas d'oreiller. Mais il est où, cet oreiller maudit? Oreiller maudit, t'es où? Ah! Non. Mais c'est pas possible. Déjà, j'ai perdu Francis. Il est dans des pièces du bas, Francis, je crois. Hein. Mais pourquoi on n'a pas d'oreiller? Je cherche un petit coussin joli. Bon. Alors, visiblement, il n'est pas à l'étage. Elle est sortie. Donc, je vais en profiter. Oh, je peux pas sauter par là. Je vais aller en bas et faire toutes les pièces à côté, là. Attendez. Il n'y a rien par hasard ici, là. Je peux pas prendre ça, non. Non. Là. Non. Quelle complexitude. Là, il n'y a rien. Ouh. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Je vais quand même ouvrir les placards parce que des fois, c'est dans les placards. Mais là, ça ne l'est pas. C'est dommage. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a ça. Mais c'est pas ça qui va m'aider. Hein, voilà. Dans la cuisine. Pas de coussin. Je vais faire le tour par là, tiens. Je sais pas où elle est.
Où elle est dans la pièce là? Ouh, elle arrive par là. Ouh, je m'en vais. Voilà. Très bien. Très bien, Thérèse. Tu me laisses, s'il te plaît. Là, y'a rien. Là, y'a rien. Oh, elle est là. Ouh. J'ai pas de cutter pour ouvrir. Ah, elle m'a vu. Oui, you will make sure, one again. Ah, mais il est où ce coussin? C'est pas possible. Je suis sûr qu'il faut prendre un coussin, non? Où est-ce qu'on les récupère les plumes? Il y a un endroit où récupérer les plumes. Je n'ai pas rêvé dans mes souvenirs. Il fallait récupérer les plumes. Oh, j'ai trouvé l'oreiller. Il était ici. Regardez-moi ça. Merveilleux. Maintenant, j'ai plus qu'à trouver Francis. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Hein. Je sais pas où il est. J'ai dû passer devant lui. Mais alors... Ah, ben il est là. Ok. Voilà. Nickel. Nickel. Alors là, vraiment... Alors elle fait du breakdance. Toujours le même débat, hein. Du, de là. Mais je dois trouver un cutter, je pense. Non? C'est pas un cutter, l'objet que je dois trouver? Attendez, je vais aller dehors. Parce qu'il y a des objets là-dedans. Tac, tac, tac. Ok. Je vais passer par là. Peut-être qu'il y a un objet là-dedans qui me permettra. On va essayer les ciseaux, tiens. On va essayer les ciseaux. Non, c'est pas les ciseaux. On va... Non, il faut vraiment que je trouve les cutters. Bon, bah ça doit être à l'étage. Je pense que c'est à l'étage. Donc, ok, je vais passer... Eh ben, par là. Voilà. Voilà. Attendez, y a rien ici? Non, y a rien. Ok, je vais passer par là. Nanana, les objets qui... Ok. On va aller voir à l'étage si je ne trouve point des cutters. Pourquoi pas dans la pièce à la torture? Là, y a rien. Non. Non. Ou un couteau dans la cuisine? C'était pas un couteau dans la cuisine? C'était peut-être un couteau dans la cuisine. Attendez, ça me dit quelque chose. J'ai comme un vague souvenir d'un couteau dans la cuisine. Alors c'est peut-être dans Scary Robert 3D. Scary Robert. Mais malgré tout, ça me dit quelque chose. Et là, à l'étage, il n'y a rien. Donc, je vais aller voir dans la cuisine s'il n'y a pas un couteau. Si, si. Bon, bah là, elle m'a vu. C'est bon, je l'ai semé. J'ai semé la mémé. Alors là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Non, bah j'ai rêvé. J'ai dû rêver. J'ai rêvé que j'avais un couteau. Mais finalement... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est un couteau! Alors attendez. Yes! Oh là 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 là! Oh merveilleux! Merveilleux! Je savais qu'il y avait une histoire de couteau. Il y avait un souvenir. Donc ce que je vais faire, je vais placer ça là-dedans. Voilà. Et maintenant, je vais récupérer ça. Récupérer ça. Je vais mettre ça. Je vais utiliser ça. Je casse ça. Et maintenant, je m'en vais. La température va monter. Le chocolat va fondre. Ils vont augmenter la fraîcheur avec la climatisation. Et ils vont se prendre toutes les plumes. On a réussi du premier coup. Waouh! C'est parti pour la cinématique. Il fait chaud, Francis, il fait chaud. Et oui! Ma statue! Voilà, elle a fondu, donc elle est pleine de chocolat. Donc maintenant, elle colle. Maintenant, allume la clim, s'il te plaît, Francis. Mais bien sûr, Thérèse. Et hop, les plumes! Sur qui? Sur Thérèse. Voici une Misty Poulette de toute beauté. Ah, ah bah oui. Et on a gagné! Wouh! Danse de la victoire. Et voilà qui termine ce quatrième prank du jour. De nouveau, deux anciens, mais deux anciens très compliqués. Hein, j'avais oublié à quel point c'était compliqué. C'est super cool de retrouver ce jeu. J'aime beaucoup, je sais que vous aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a fait plaisir de retrouver Misty et de faire des petits pranks à la prof psychopathe. N'oubliez pas de laisser un max de pouces bleus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et partagez cette vidéo à au moins l'un de vos amis pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!